Bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 4 de ce Nuzlocke Challenge. Oui, Mitsu, j'ai bien prononcé le mot, hein, c'est un Nuzlocke et pas Nuzlocke. Alors, beaucoup de sessions d'XP, à peu près 1h30 d'XP, comme je l'avais promis à la fin de mon épisode 3, parce que bon, je me suis dit, bon, je commence à m'éterniser dans le farm XP. Et en effet, j'ai bien XP. D'ailleurs, je vous montrais une petite capture d'écran. Vous allez comprendre pourquoi il fallait absolument que je fasse de l'XP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Wilgie Loté est monté niveau 13, le chien d'ourson. Rwana est monté niveau 15 et il a appris coup de boue. El Kwawe a appris Berceuse. Je sais même plus s'il la connaissait déjà Berceuse et niveau 14. Nyanita a appris éclair, niveau 14 aussi. Alors, je n'ai fait évoluer personne. C'est volontaire. Alors, échanger. Ouais, on va mettre ça en premier. Cet épisode, bah dans cet épisode, il y aura beaucoup d'évolutions. Allez, on va aller dans la route 2. Musique, s'il vous plaît. Merci. Carte, hein, Poképod. Alors, ça s'appelle comment cette route déjà? Bosquet des chouettons. Alors, j'ai déjà capturé mon petit Pew. Hein. J'ai entendu dire que les chouettons se reproduisent par ici. J'essaie d'en attraper un. Baston. Lucignol, niveau 7. Donc vous comprenez. Allez, Flamèche. J'envoie mon Pokémon qui tape le plus fort en premier. Ah oui, pendant le farm d'XP. Oui, j'ai enlevé les animations de combat et j'ai mis en défini. Bon, allez, plus ça va deux fois plus vite. Alors, ok, donc. Ah, un objet, tiens. Ah, putain, il m'a eu. Hey, gamin! Tu vas se faire pour traverser cette caverne! Montagnard, alors il va se battre. Féro singe. Warner attaque Flamèche. One shoot. Embriffer. Oh. Attaque coup de boue. C'est extrêmement efficace. Et il tank. Ok. 4 dégâts, vas-y, fais-toi plaisir. Coup de boue. Ouais, tout à l'heure, c'est fort. Merci pour le Pokéfric. Oui. Tu viens du Nice, toi, t'es pas de Kalos, hein, vu que tu parles anglais. Une potion. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. Objet. Non, pas Poké. Oui. Nyandita m'a ramené plein d'objets pendant son farm. Alors, 4 Hyper Balls, 7 Super Balls. Les baies, on s'en fout. D'ailleurs, j'ai fait pousser beaucoup de baies aussi. 9 repousses, 6 cordes sorties. Ça, c'est le cadeau mystère. Bon, comme c'est des objets, ça sert à faire évoluer des Pokémon par échange. Hein, voilà, pour info. Hein. Je les utiliserai pas tant que je serai en Nuzlocke. Et j'ai même une hyper potion, 5 super potions. Ça pourrait me sauver la vie. Et du total soin. Et un rappel qui servira à rien, bien sûr. Hein. Donc, c'est assez sympathique tout ça. Alors, c'est quoi ça? Ancienne entrée de Néotech. 1-1, on va faire. Allez, on y va. Grotillage. Quel va être le premier Pokémon? Un homme va faire. Bon, vous avez compris que. Je suis en train de réfléchir. Il est type acier. Ouais, allez, attaque griffe. Attaque griffe. Ce n'est vraiment pas du tout efficace. Ouais, c'est vraiment pas du tout efficace. Le switch. Will Gilles Loté, à toi. Attaque. On va debuff. Charme. Faut vraiment que je remette les animations de combat. Insecte. Non, ça devrait pas le one shoot. Ce n'est vraiment pas efficace. Ah, t'as si le compte sa défense. Allez, encore une fois, c'est bon. Attaque vent féerique. Ah oui. Coup critique. Switch. Non, quand je capture un Pokémon, je ne prends aucun risque. Vas-y, fais ton armure. Attaque berceuse. Faites silence, il faut laisser le piaf chanter.
Allez, sac. Pokéball. Non, une Pokéball, ça suffit. Go! Faut la lancer, comme dans Pokémon Go. Bon, il n'a aucune chance de s'en sortir, hein. J'ai capturé un embryophyre! Pikachu! Ah oui, je suis content, maintenant je peux mettre un statut. La capture, ça va être bien plus facilité, hein, avec un statut. Alors, embryophyre, Pokémon sphère de sphère. Ouah, 120 kilos la sphère! Bah, c'est lourd, hein. Des métaux incroyablement denses compensent le corps d'embryophyre. Ils sont très lourds, il y a une faute d'orthographe, et se nourrissent des roches et des minerais métalliques. Hein. Le surnom. Alors, c'est une femelle. Bon, mais le surnom, j'ai déjà réfléchi. À l'avance, que ça va être. Alt gras plus D. Voilà, c'est Tinkaracé. Alors, ça veut dire métal et serre. Ce surnom lui correspondra quand il sera à son évolution finale. Ah oui, le layout, j'ai oublié. Alors, j'ai capturé un embryophyre. Voilà. Et oui, je l'ai animé, en plus. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description mon pack de sprites animés pour Pokémon Uranium. Alors, attends, un bon Pokémon. Oh, il dort bien, lui. Résumé. Adore les commérages. Il est mauvais de nature, donc c'est plus d'attaque et moins de défense P. Oui, waouh. Waouh, ils sont excellentes les IV, là. Hein. Bon, ben, sachant qu'il est type acier, je pense que j'ai trouvé mon contre les Pokémon nucléaires. C'est le seul point faible du type nucléaire. Hein. Glazard. À haut niveau, quand il évolue en terre l'art, c'est le Nemesis en Nuzlocke. Quand vous mettez un type feu ou électrique, une fois sur deux, il a la capacité piège. Et voilà, vous pouvez plus fuir. Et c'est comme ça qu'on perd des Pokémon feu et électrique. Et j'ai vu des Nuzlockers perdre leur... Oh, nos sera petit Pokémon. Flamèche. Attends, je vais remettre les animations combat. Bon ben, attends, option. Alors option scène de combat, oui, parce que c'est mieux. Donc je reste en, allez, je vais rester en défini pour le défi. Alors je m'impose pas cette clause. Ouais, parce que j'avais hésité à mettre les clauses pas d'objet en combat et obligation de mettre défini, pas choix. Vu que j'ai un petit pexé, pour m'entraîner un petit peu, bah pour le moment je vais mettre en défini. Allez, vas-y, soigne. Voilà, on va augmenter un petit peu la difficulté du jeu. Hein. Bon, en gré de mon humeur, voilà, j'activerai ou désactiverai ces clauses facultatives. Pokémon. Bon, ouais. Niandita, file-moi ton objet habituel. Hyper potion. Alors, échanger. Alors, Tinkaracé, je ne vais pas l'entraîner aujourd'hui. Parce que bon, si je dois l'entraîner et le mettre à niveau, j'en ai pour en moins une demi-heure et ça sera hors caméra. En cas de bagarre sur la route, Néothèque accessible en passant par la grotte Silage. Ouh. Ok, bon. Question réglée, hein. Il n'y a pas de bagarre, mais on a mis des rochers pour vous bloquer. Donc, veuillez prendre la grotte, là. D'ailleurs, juste par curiosité... Cloche. Oh, c'est un peu plus clair. Mais oui, j'ai mis signaux, il fait de la lumière. Alors, je vous avais promis que cet épisode, en début, ça serait un épisode évolution. Attaque. Alors, lui, il est type poison. J'aime pas le type poison. Charge. Ouais, c'est bon, tu peux le gérer. Hein. Tout le monde déteste les Nosferapti et leur alias hein, dans les grottes. Oui, Nosferapti, on a compris. Ça, il a même pas XP. Bon, Niandita. Oh, super potion. Ah oui, c'est 100% de probabilité de trouver un objet avec Niandita, je confirme. Glazard, type sol pour le moment. Alors, sur insecte. L'insecte remue dans tous les sens et fait des dégâts. Ça gigote dans tous les sens, hein, vert. Attention, première évolution. Attends. Tout, j'adore cette musique. Alors, on va rouler quoi du coup? Piqûre, alors c'est du physique. Ah, je peux piquer les baies. Ah, attends, j'hésite un peu à enlever charme. Charge, c'est un petit peu...
Bah et tant pis, j'enlève charme. Quoi? Où j'ai le doté évolue? Je vous l'avais promis, il y aurait des évolutions. Faut que je prépare le layout. Il est où le layout? En gracilule! Voilà! J'ai mis changer le layout. Animé, bien sûr. Ouais, j'ai passé toute l'après-midi à animer les Pokémon qui allaient évoluer. Et les intégrer dans le jeu. Et le layout, bien sûr. Alors, il y en a qui disent qu'il est moche. Bon, j'ai pas animé le Pokémon de dos. Hein. Du coup, il a gagné le type fée. Ça y est, j'ai mon premier Pokémon de type fée de ma carrière de dresseur Pokémon. Parce que c'est le premier jeu de 6ème génération auquel je joue. J'ai enfin un type fée. C'est pour ça que je trouve tout mignon ce Pokémon. Oh, pas de Nocerapti, surtout que le type poison, j'aime pas. Attaque charge. Ouais, vas-y. Deux dégâts, non, un dégât, tiens, c'est encore mieux. Au revoir Nocerapti. Non, pour moi, c'est pas Tonémi, hein, c'est Nocerapti. Hein. Ton objet, allez, c'est bon. Toi, t'as XP. Échanger, on va mettre lui en premier. Faut quand même que je fasse gaffe en terre l'art, hein. Enfin, un gros art. Ouais, ça. Niveau 6 en plus. Heureusement, j'ai l'attaque charge. One shoot. Non, il évolue pas. Allez, on va explorer cette grotte à la con. Alors, non, il craint... Est-ce que je le one shoot? Ouais, éclair. Vas-y, augmente ta défense, c'est du spécial, et l'électricité. Oh, il a un PV. Spam éclair, s'il te plaît. Au revoir, Ombrifère. J'adore son cri. Alors, l'objet du jour, bien sûr. Corde sortie. D'ailleurs, j'ai même pas regardé quelle attaque il avait, mon Ombrifère. Tinkerassé. Charge et armure, bon, du gros classique. Je vais éviter de faire un montagnard avec un Pokémon de type normal et bientôt électrique. Ouh, on est sur le dos. Alors, contrairement à ce que j'ai toujours pensé, un saut lourd d'eau n'est pas de type sol, il est de type normal. Ouais, parce que je me dis, c'est un ver qui gratte le sol. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Éclair. Est-ce que je passe... Non, pas de level up. Attends, je vais quand même le faire évoluer. Allez, allez, dépêche-toi, s'il te plaît, là. Bon, allez, charge-toi. Bzzz. En plus, c'est bien, l'attaque a été buffée en 6ème génération et ça augmente la défense spéciale. En plus de charger l'électricité. Alors qu'en 5G et avant, c'était que doubler la prochaine attaque électrique, hein. Attaque éclair. Eh oui, c'est... Ombrifère, c'est un Galekid bis. Level up. Allez, on va prendre... Ah oui, vive attaque, s'il te plaît. Allez, rugissement, ça sert à rien. Et une évolution, une. Alors... Je mets la souris sur le layout, hein. Mess, j'ai mis le jeu en pause. Et voilà. Et il est animé, bien sûr, avec de l'électricité sur sa queue. Parce que oui, gagne le type électrique. C'est un mélange de Rattata et de Pikachu. Le rappel qui sert à rien. Il a toujours un massage, c'est bien. T'as 61 IV en défense. EV, je veux dire. Ah oui, il est à mulot enchaîné. Ça joue, hein. Bah maintenant l'attaque éclair sera stable, alors on va switch par contre. Y a plus d'évolution normalement, lui c'est un type proche. J'ai coup de boue. Allez, on met Rouenard. Poil montagnard, je te défie. Non, Glazer a dit non, je m'intercale. Flamèche s'il te plaît, Rouenard, allez, dégage.
Allez, c'est bon. Objet d'Inanita. Super potion. Cette grotte est hardcore. Seuls les plus badass peuvent la traverser. Attends, il faut que je prenne la voie de montagnard quand même. 1-1. Niveau 9, hein. Niveau 9. J'espère qu'il n'a pas une attaque de type sol. Bon, vu les niveaux que j'ai d'avance. Attaque coup de boue. C'est extrêmement efficace. One shot. Niveau 16. Attaque coup de boue. Ah, il a fermeté là. Raté. Attaque coup de boue. Achève-le. Et un coup critique en plus. 1-1. Au revoir, 1-1. Comment je suis censé sortir avec tous mes Pokémon KO? Merci beaucoup, hein. Une corde sortie, peut-être. Alors, ton objet. Bah oui. Hyper potion. Trop cheaté, la capacité de ramassage. Bon, bah, Juan a évolué. On va passer sur Messignol, maintenant. Flamèche, s'il te plaît, d'aller. Ouais. Oh oui, je fais tous les Pokémon sauvages. Je n'aime pas fuir. Je suis badass, je suis courageux. Et en plus, ça fait de l'XP. Allez, LKO est en retard. Échanger. Par contre, faut que je trouve le bon chemin du coup. Nosferapti. Non, c'est pas Tunemi, c'est Nosferapti. Tornade. Allez, on éjecte-moi ça dans les airs là. Niveau 15. Donc, LKW a beaucoup plus d'attaque spé que d'attaque spé nord physique. Hein. Ah, tranchère. C'est quoi ça? Attends, c'est physique ou spécial? Spécial! Oula! Je sens qu'on va s'amuser. Ah. Est-ce que j'ai le droit d'oublier Flash? Oui. Bon, c'est pas grave. Dans le cas le pire... Je sais pas si je peux capturer un CS Slave et apprendre Flash à quelqu'un, si ça devient indispensable. Attaque. Mais il me semble qu'il y a que 3 CS dans ce jeu. Éclat Rock, Force et Surf. Je pense que c'est... Je te défie, toi. J'ai juré de ne jamais quitter cette caverne tant que je n'ai pas gagné 100 victoires d'affilée. Ça me rappelle Damien à l'épisode 8 du dessin animé, saison 1. Féro-singe. C'est pour ça que j'ai pris un Pokémon vol en premier. Attaque. Trancheur. Ah, il a réussi à rater son coup. Bravo. Je t'ai dit de faire trancheur. Trancheur. Si je prononce mal les attaques, le Pokémon va désobéir. Hein. Oh, c'est quoi ce mouton noir, là? Trancheur, allez. Niveau 10, quand même, hein. Non. Allez, t'es tondu le mouton. Après réflexion, c'était peut-être un défi du... Waouh, ça aurait dû être la victoire 99. Je pense que c'est un Easter Egg par rapport à l'animé. Allez, on va... Ah, un objet, tiens. Super Bowl. Nosferapti. Non, c'est pas ton ennemi. Nosferapti. Au revoir, Nosferapti. Alors du coup, comme j'ai bien fait mon XP, bon, il faudra que... Ah, je me souviens plus de son surnom. Tinkarassé, il faudra que je le... Que je l'XP après. Mais je peux m'enchaîner la prochaine arène. J'ai le niveau maintenant. Et la bonne strat aussi. Au revoir, Nosferapti. Ah, vous allez en entendre du Nosferapti, hein, ce... C'est quoi ça? Oula, montagnard. Encore un Nosferapti! Il y en a partout! Nosferapti! On a compris, Nosferapti. Bon, allez, Pokémon. Attends, si je voulais prendre ces objets, total soin. Échanger. Alors, je sais que c'est risqué de prendre Roanard. Je te défie le montagnard. Oui, toi, toi. Dans un sens, je trouve ça marrant d'en mettre plein la tronche en distinction à des dresseurs innocents. En attendant, c'est moi qui te mets un point d'exclamation. Oula, le lézard qui coince avec son piège. Flamèche. Et c'est là où je me dis, je suis content d'être niveau 16. Hein.
un sur le dos. Flamèche, s'il te plaît. Ah, il a survécu. Achève-le, attaque Flamèche. Allez. J'imagine que tous les tyrans reçoivent un jour leur châtiment. Merci pour le Pokéfric. Ok, c'est décidé, j'arrête d'être méchant et vivre une vie d'expiation. Merci, gamin. Ah, je pense que c'est la sortie, là. Un Oseraptie sauvage apparaît. Non, pas un Oseraptie. Allez, allez, griffe. J'ai même pas besoin de taper fort. Oh, il survit, tiens. Bon. Je me suis pris 2 dégâts. Ça va encore. Bon, vous savez que les grottes, c'est des Pokémon sauvages à tirer à gogo. Hein. Nosferatu! Ah, mort. Pourquoi je fais griffe? C'est bon, coup critique. Coup de boue. C'est extrêmement efficace. Si par amour les Pokémon, mes Pokémon pouvaient tanker une attaque fatale avec un point de vie, comme dans la 6 et 7G officielle. C'est extrêmement efficace. Nosferatu ! Non, c'est Nosferatu pour moi, désolé. Flamèche. Et oui, qui dit grotte dit... Tiens, tu sais qui toi ? Je sonde cette jeune pour faire un sentier. C'est tellement fatigant d'avoir tracé cette grotte pour aller quelque part. Bonne chose, gamin. Prends ça, tu en auras besoin. Ça sert à rien, Nuzlocke. Mais merci quand même. Ah bah, les deux chemins sont bons. Et ben voilà, j'ai tout exploré. Newtik. Ville, bien. Bon, bah, on va explorer la ville, du coup. Bienvenue à Newtik. Je suis l'hôte de la ville. Oh, un chouetton. Tout. J'adore mon ombrifère, j'ai rien qui m'embrille. Ah, elle est marrante cette musique. Chouetton. Ah ah, c'est si bon d'être entouré de verdure, même si c'est au milieu d'une grande ville. Poigne. Ah, c'est la musique de Doublonville. Doublonville, la ville où tout le monde est heureux. Ah, c'est une musique qui met de bonne humeur. Hey mon gars, tu ne serais pas un stresseur Pokémon, j'imagine que tu es là pour défier la reine. Alors, oui. Bon, je vous le dis, la reine ce sera parce que j'aime bien séparer les épisodes. Dans un épisode séparé. Doublonville, c'est la reine. Ah oui, ça doit être la reine, je pense. Ou la tour radio, je sais pas. Tu es dresseur de Pokémon débutant, tu devrais prendre ça. Ce taux t'as soin de tout le changement de statut. Ça peut arriver même de la confusion. Certains en... Oh, il y a une faute d'orthographe là. Lorsque ton Pokémon est en détresse. Nous, Ranger Pokémon, sommes les policiers de Tandor. La plupart des grandes villes ont un centre Ranger, mais le quartier général principal est à Vagune. Là, ils disent un truc différent. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Bonjour et bienvenue dans le QG des Rangers Pokémon de Néotech. Vous portez vos lutteurs pour une mission? Vous n'êtes qu'un civil. En gros, c'est le commissariat de police. Eh ben, dis donc. La police est généreuse ici. Ils se mettent en danger pour toi. Ça, c'est vrai. Oh, une photocopieuse. Allez, on va courir. Allez, on finit tranquillement l'épisode sur la visite de Néotech. Ah oui, du coup, elle est où, la reine? Attends, on va sauvegarder parce que j'ai pas sauvegardé, moi. Sauvegarder. Point d'exclamation. Oh, toi, tu es peut-être ici pour voir Maria? Oh là là, tu vas être comme moi, je suis son plus grand fan, mais elle est jamais dans son arène. Tu devrais la trouver chez elle, je peux pas y aller moi-même parce que j'ai mes raisons. Je suis trop timide, je suis amoureux d'elle. Mais tu peux, tiens, prends ça. Clé de Maria. Garde-la, j'ai des copies de sa maison et tout au sud de la ville. Bienvenue dans le Poké World, on vous donne des clés gratuites et vous pouvez vous incruster chez les autres sans demander, sans frapper à la porte. C'est la magie du monde de Pokémon. Maria est la fierté et la joie de Néotech. Toutefois, je pense que sa victoire à la Ligue a eu un peu monté la tête, mais elle reste toujours la même pour personne vivante. Doublonville,
La ville où tout le monde est heureux. Attaque plus. Subway, qu'est-ce qui se passe là? Ma grand-mère vit à Fort-Légende. Une fois que le métro sera ouvert, elle voudra que j'aille la voir tous les week-ends. Aujourd'hui, c'était l'ouverture officielle de la station de métro de Néotech. Subway. C'est si excitant, il vaut mieux ouvrir la station de métro de Néotech. Maintenant que c'est ouvert, je peux enfin quitter cette ville. Enfin, c'est plutôt une gare hein, qu'un métro. Parce qu'un métro, c'est dans la ville. Hein. Une gare, c'est interville. Hein. Le métro de Tandor est un train à grande vitesse. Vous voyez, en plus, ils disent bien que c'est un train. Hein. Pas un métro, un train. Réunions les villes tout autour de la région. Subway. J'aurais aimé avoir un ticket pour aujourd'hui. Pour info, le train, il coûte très cher dans Pokémon version gemme. Hein. Il y a plus de 180 types de Pokémon différents dans la région de Tandor. T'essaies de tous tes ratards après, bonne chance. Techniquement impossible en Nuzlocke. Attends, il a dit quoi là? En gros, il devait jouer en ligne. Mais bon, j'utiliserai pas les fonctionnalités en ligne tant que je suis en Nuzlocke. Question de principe, et puis le plaisir d'avoir élevé soi-même ses Pokémon comme un grand. Néotech, l'énergétique ville des montagnes. Ça veut dire aussi de nouvelles technologies. Déjà passé par là. Ouais, ça c'est l'entrée de la ville. C'est quoi ça? 1-1. Comment tu fais pour dire censure? C'est censuré. Moi je dis censure, le G est muet. Bah oui, c'est censuré, c'est interdit de le dire. Donc, t'es sur une quête de dresseur 1. Quand j'étais gamin, j'ai seulement eu 2 badges, je suis rentré chez moi, traverser la région est difficile. Oui, faut toujours parler aux gens 2 fois. Alors, c'est quoi ça? Ok, Maria est ici. Hein? Il y a quelqu'un? Oh, tu dors? Bah oui, il fait nuit, c'est normal. Qui es-tu? Que fais-tu chez moi? Tu peux pas te rentrer chez les gens comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le monde magique des Pokémon. On peut s'introduire chez les gens comme ça, parce que c'est Pokémon. Plus particulièrement quand ils verrouillent leur porte. Comment es-tu rentré? Silence. Tu as une copie de mes clés maison, donne-moi ça. Anario a donné les clés à Maria. Tiens, prends ta clé. Où est-ce que tu es? Oh, pas ce type, c'est un lourdeau, c'est un pervers sexuel. Oh, et encore lui, attends. T'es pas un autre fan quand même. T'es un dresseur Pokémon, tu es donc venu pour l'arène, c'est ça? J'imagine que je dois faire mon boulot pour une fois, mais avant ça, il faut que je parle à ce type qui t'a donné cette clé. Retrouve-moi devant mon arène, à plus. On peut dormir dans son lit, oui. Le chemin vers la victoire. Du lait pourri, il faut acheter du lait meumeux. Doublonville, ville où tout le monde est heureux, et oui. Bonjour, es-tu un dresseur de Pokémon? Ah, c'est un maître des capacités, lui. Alors, y'a quoi en bas? Ah, une route 2, tiens. Bon, ben, je pense qu'on a fini de visiter la ville, là. Hein. On a presque fini, du coup. Depuis que j'ai rencontré Tanocturne, ma vie n'a cessé de s'améliorer. Je n'imagine pas la vie sans Pokémon. Tanocturne. Ouais, c'est un toutou. Ouais, ne regardez pas la télé, en ce moment il y a la Coupe du Monde. C'est un ennui. Non, moi je préfère jouer à Pokémon. T'as l'air d'être impressionné, ça se voit dans tes yeux. Bah oui. La boutique est là, tiens, on va faire un tour. Je finirai par le centre Pokémon. Lolo, super potion, j'en ai combien? Allez, on va en acheter quelques-unes. Pokéball, allez, on va en acheter 10. Voilà. Je suis riche avec tout le... Alors. Ah, pas de réduction ici. Ouais, la réduction, quel vendredi. Allez, encore 2 maisons à explorer. Oh, dresseur, tu connais les CTLSS? Les CT ou capsules techniques sont des objets très utiles qui servent à apprendre de nouvelles attaques à tes Pokémon. Les CS ou capsules secrètes sont des CT spéciales qui vont t'aider à surmonter certains obstacles sur ton chemin. Tiens, essaie cette CT. Attraction. Bon, ça m'intéresse, non? Ne prends pas de nourriture dans le frigo de la gentille dame. Ouh, c'est un immeuble, ça? La région de Tandor est divisée en 2 parties, ouest et est. Nous sommes à Tandor ouest. Merci pour l'info. La TV affiche le dessin animé Pokémon Universe. On dirait une PlayStation 3 sans mon atelier. Il y a aussi quelques jeux Pokémon sur l'ordinateur. J'adore les jeux Pokémon, les versions bleues et ma soeur la rouge. Comme ça, on peut tous les attraper.
Nostalgie. Maman me dit que je peux pas avoir Pokémon dans une grand, donc j'ai un jeu vidéo à la place. Le brevet de dresseur Pokémon, c'est à 10 ans. Bon, bah, cette maison est terminée. Oui, il faut toujours parler à tout le monde dans Pokémon. Je peux pas en empêcher. Je lui ai déjà parlé. Ah! Il est là, le spécialiste des noms. Allez. On va corriger la coquille de... Delcaway. Attends, faut pas que je fasse de faute d'orthographe cette fois-ci. Elkewen, parce que c'est une femelle. Voilà, coquille corrigée. Bah, c'est bien qu'on l'ait assez tôt le donneur de nom quand même. Hein. Dès la troisième vie du jeu. Allez, surnom corrigé. Tiens, un objet, il faut que je le prenne. Corde sortie. Ben voilà, donc, et pour Wigil le T, j'avais dit que j'ai gardé l'orthographe finalement. J'ai déménagé à Néotech parce que je voulais fonder une famille avec mon fiancé. Mais il hésite. Ma fiancée veut avoir des enfants, mais je ne veux pas, sais pas si je veux. Bah, prends la CT Attraction. Y'a quoi la télé? Oh, un tel show. Non, j'aime pas. Hé, t'as l'air d'un dresseur? Ça veut dire que tu collectionnes des Pokémon. Je recherche une venouille. Si t'en as un, je t'échangerai comme un embouton. Non, j'ai pas de venouille, désolé. L'ordinateur affiche l'écran titre d'un jeu à la mode, les origines du Dracolos. Pokémon mythique. Mais je préfère Dratak. Il est beaucoup plus badass. Je lui ai parlé à lui, là? Oui. Ben, finissons par le centre Pokémon et l'épisode s'arrêtera là. C'est bon, on a visité la ville. La doublon ville like. Soigne tes Pokémon avant de sortir de la ville, crois-moi. Ouais, ben, on va le faire. Allez. Bon, je vous dis, il y aura une petite section d'XP hors caméra. Ah, tu veux un super bonbon, c'est ça? Allez. Ah oui, ton dresseur, tout est en top. Hein. Alors, l'épisode va s'arrêter là. Bon, j'irai faire XP Ambrilex, enfin pas Ambrilex, Ambrifère qui s'appelle Tinkarassé hors caméra. Et après, on ira faire l'arène. Je le mettrai niveau 15 comme les autres. Et après, on ira faire l'arène à l'épisode suivant. Donc, merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour de nouvelles aventures avec le Nuzlocke Challenge.